Bonjour Pocoyo, bonjour Pato. Bonjour. Vous allez faire un pique-nique aujourd'hui. Ellie. Oh, je vois. C'est une excellente idée, Ellie adore les pique-niques. Oh la pauvre, Ellie n'a pas la même tête que d'habitude, vous ne trouvez pas? Eh oui, Ellie, tu as quelque chose de changé dans ton apparence. Tu n'avais pas remarqué. Soyez gentils, les enfants. Dites à Ellie ce qu'elle a de nouveau sur la figure. Allons, allons, calme-toi, ce n'est pas si grave, je t'assure. Tu couvres quelque chose, ça arrive à tout le monde, n'aie pas peur. Pocoyo, Pato, arrêtez de fuir votre amie Ellie. Quand un éléphant a des boutons, ce n'est pas si grave. Ellie va vite guérir. Seulement, il va falloir qu'elle se repose quelques heures, tout simplement. Ah, j'ai l'impression que Pocoyo vient d'avoir une idée. Ah, mais oui, bien sûr. Tu vois, Ellie, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, fais sonner cette petite cloche. Ça préviendra Pocoyo et Pato qui viendront te demander ce que tu veux. Bon, c'est parfait. Vous deux, maintenant, vous devriez aller pique-niquer dehors. Oh, vous entendez? Je crois qu'Ellie a besoin de quelque chose. Oh, notre pauvre malade a soif. Oh, merci. C'est pile ce qu'il lui fallait. Et maintenant, vous pouvez retourner... pique-niquer. Oh, 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 j'entends la cloche à nouveau. Je me demande ce qu'elle veut cette fois. Oh, elle a très envie d'un grand verre de lait frais à la vanille. Avec de la glace au caramel et un petit parapluie en papier sur le dessus. Bon, d'accord. Et si j'ai bien entendu, Ellie aimerait qu'on lui apporte un arrosoir, une planche à roulettes, une radio, un téléphone et tout un tas d'autres choses.
j'ai l'impression que tu te sens beaucoup mieux, je me trompe? Soyez gentils, les enfants. Dites à Ellie, comment je sais qu'elle n'est plus malade? Ses boutons ont disparu. Exactement. Ellie n'a plus un seul bouton sur la figure. Tu es guérie. Ah, ils sont fatigués, les pauvres. C'est normal, voyons. Ils ont passé la journée à courir dans tous les sens pour essayer de te faire plaisir. Oh, je me demande où va Ellie. Oh, comme c'est gentil. Pour les remercier, Ellie a tout organisé pour que Pato et Pocoyo aient le plus beau des pique-niques. Et comme elle n'a plus de boutons, Ellie va pouvoir goûter avec vous. Tu es content? Vive les pique-niques! Et un grand bravo pour Pocoyo! Au revoir et à très bientôt!